Avec cette résolution, le Parlement envoie un signal fort en faveur de la culture des algues en Europe. Son développement présente de nombreux intérêts. Les algues sont une alternative aux farines de poisson utilisées en aquaculture et qui entraînent le pillage des mers en Afrique de l'Ouest. Mais les algues sont aussi intéressantes pour la consommation humaine, un aliment nutritif et durable. La culture de macroalgues séquestre du carbone et contribue à la lutte contre le changement climatique. Elle peut aussi contribuer à la restauration des écosystèmes marins. La culture d'algues peut permettre à certains pêcheurs de se diversifier au niveau de leur activité. Mais il faudra veiller à ce que la culture d'algues reste durable. Éviter la collecte d'algues via des techniques destructrices comme les dragues et privilégier les méthodes moins impactantes. Cultiver des espèces locales, éviter des monocultures d'algues qui présenteraient des risques sanitaires. Donc, développons donc la culture d'algues, mais évitons de répéter les dérives de l'aquaculture intensive. Merci.